Bonjour, nous allons apprendre aujourd'hui les différentes parties de la plante. La plante que nous avons choisie aujourd'hui est une fleur. Et cette fleur pousse dans un pot. Comment appelle-t-on cette partie? Cette partie s'appelle la fleur. Dans cette plante, la fleur est jaune. Comment appelle-t-on cette partie? Cette partie, c'est la tige. La tige est verte. Elle porte la fleur. La tige. Comment appelle-t-on cette partie? C'est la feuille. La feuille est verte. Elle est attachée à la tige. La feuille. Et comment appelle-t-on cette partie? C'est le bourgeon. Le bourgeon est une fleur qui n'a pas encore ouvert ses pétales. Le bourgeon deviendra plus tard une fleur. Le bourgeon est attaché à la tige. Je relis. Chaque partie de la fleur a sa place. Nous pouvons regarder à gauche la fleur et de l'autre côté les trois parties séparées. Et voilà. Donc nous allons essayer de relier chaque partie de la fleur qui existe ici à la partie qui est séparée de l'autre côté. Alors, comment on appelle cette partie? C'est la fleur. Et où est la fleur de l'autre côté? La voilà. Donc, passe ton index pour relier la fleur à la fleur. Très bien. Comment appelle-t-on cette partie? C'est le bourgeon. Regardez bien le bourgeon. Il est attaché à la tige. Où est le bourgeon de l'autre côté? Le voilà. Donc, passe ton index pour relier le bourgeon au bourgeon. Comment appelle-t-on cette partie? C'est la feuille, très bien. Passe ton index et relie la feuille à la feuille qui est de l'autre côté. Voilà. Un deuxième exercice maintenant. Je relis chaque partie de la fleur à sa silhouette. Nous avons à gauche les parties de la fleur en couleur. Et à droite, nous avons les parties de la fleur en gris ou en noir et blanc. Nous allons relier chaque partie en couleur à sa silhouette qui est en noir et blanc.
Comment appelle-t-on cette partie? La fleur. Relie la fleur à sa silhouette avec ton index. Bravo! Comment on appelle cette partie? C'est le bourgeon qui est attaché à la tige. Peut-on voir de l'autre côté le bourgeon attaché à la tige en noir et blanc? Relie avec ton index le bourgeon à sa silhouette. Voilà. Comment appelle-t-on cette partie? C'est la feuille. Très bien. Relie la feuille qui est attachée à la tige verte à la feuille attachée aussi à la tige de l'autre côté, en noir et blanc. Très bien. Maintenant, prends la fiche de ton dossier Bonne fête maman et relis chaque partie de la fleur à sa place. Essaye de faire l'exercice maintenant sur l'écran en passant ton index. Nous avons le bourgeon, nous avons les feuilles et la fleur. Où est le bourgeon de l'autre côté? Voilà, je relis avec mon index, comme ça. Je relis avec mon index. Voilà, cette partie, c'est la feuille. Je dois regarder de l'autre côté pour trouver aussi les feuilles. Les voilà. Je relis avec mon index. Je relis avec mon index. Voilà. Cette partie, c'est la fleur. Je regarde de l'autre côté. Voilà la fleur. Je passe mon index et je relis. Vous avez vu? Je relis. Au revoir les enfants, à la prochaine.